Bon, le temps est bien maussade, mais on va aller faire un petit tour chez nos amis de Maule. Allez, à tout de suite. Allez, on est à Maule. Ah là, tiens, on va commencer par celle-ci là. Une série 3 20 en plus cabrio. Là, on a la Tayol, Tangara, Rodeo et puis une Alpine à 110. Bon, alors évidemment, il fait pas très beau, donc il n'y a pas trop de monde. La petite Renault 5 de notre ami. Là, petite 4 chevaux cabrio transformé en cabrio, voilà, magnifique, tout comme cette Simca type 8 sport. Alors après on a les véhicules de pompiers sympathiques, on les a déjà vus, la 203. Voilà, en break, joli en break. On va les voir rarement. Et puis une belle PGO. Voilà. On retombe sur une Porsche 911. Et puis une Targa 991. Bon, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, parce que quand même le temps est pas agréable, il commence à pleuvioter même. L'Audi TT, sympathique. Et ben oui, il y a des courageux dans cette Mercedes là dont on avait vu. Avec un gros moteur, de mémoire c'était une 6 litres 9, voilà, AMG. La E63 break. On entend le moteur qui ronronne. La Poire, la PL24, sympathique. Et puis une jolie Sunbeam avec une belle couleur de combo, noir avec des sièges rouge bordeaux. Ça lui va très bien. MGB coupé. Et puis cette Jaguar XJ6 ou XJ8, on va aller voir. Je dirais XJ8 plutôt. Sovereign. À côté, on a la Ford Mustang cabriolet classique. On en a vu beaucoup, on en voit un peu moins sortir en ce moment. Allez, la Porcherie s'installe avec une troisième. Voilà. Voilà, plusieurs générations. Allez, tiens, une MGB ce coup-là, cabriolet, avec son petit toit vinyle. Allez, arrive une autre Alpine qui se gare. Et par contre on a un gros pick-up Chevrolet sympathique, toujours ça, le folklore américain. Voilà, alors ça, le cuir à l'intérieur confortable, lame à l'arrière. Ah, notre ami qui arrive avec sa grosse Bel Air. Allez, la Mercury aussi, qu'on voit souvent ensemble d'ailleurs. Allez, une Seven, sympa. Allez, courageux, hein, parce qu'il pleut, il fait froid.
Ah ouais, tu l'as dit, hein. Allez, une Mustang récente, 5 litres GT. Voilà, balèze. Là, ça a de la puissance dans l'air. Voilà, c'est du véhicule nouveau, puissant. On arrive après sur une petite R5. Alors, voilà. GT Turbo. Allez, une belle Lamborghini arrive. Voilà, superbe. Ah, le moteur qui n'en finit pas de ronfler. Allez, arrive une Subaru. C'est ta copine, ça? Ça, c'est une Subaru ST9, WRX9. Ouais, on la voit, celle-là. On a, ouais, 220 chevaux, ça fait de mémoire. 230, celle-là. C'est les nouvelles générations 2,5 litres. Elles sont passées de 2 litres à 2,5 litres sur ce modèle-là. D'accord. ST9. Et ça fait 230 chevaux. Ouais. Et après, tu as la STI qui faisait, dans la même ligne, 281 chevaux. C'est des années quoi? Ça, c'est 2000? Des années 2008-10, par là. Ouais. Mais elles ont déjà bien évolué. Oui, bah oui. À côté d'Alpine en bleu marine, là, joli. Et puis la RS. Voilà, Clio RS. Bon, bah voilà, ça se remplit malgré le temps désagréable. Allez, une 2-2 qui arrive. 2 chevaux 6. Voilà, sympa, avec ce petit siège. Voilà, agréable. Bon, qu'est-ce qu'on voit arriver? Il y a quand même du monde qui arrive, hein. Tiens, la 996. Bah, c'est la mienne. Allez, on retourne sur l'Aventador. Voilà. Quand même une voiture très élitiste, avec une coupe incroyable, un V12. Côté la petite Alpine A110, mais les versions anciennes, 1300, 1968. On n'a pas pris cette Corvette, type C3, et cette Ford, sympa. Voilà, la Ford Capri. La Renault GT, on l'a prise. Allez, tiens, une belle SLK est arrivée, sympa, rouge. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Aventador, toujours magnifique. Ah là, là-bas, je vois une 2-2 Charleston. Allez, on va terminer par cette Alpine Sunbeam sympathique, cabrio, bien jolie. Et puis, encore une Audi TT, une SLK. Voilà, là, jolie, ça, cette... forme de Peugeot. Voilà, ça aime bien le look, ça ressemble un peu à l'Audi TT, hein, ceci dit. Voilà, c'est une R. Voilà. Et puis ici, une plus ancienne, sympathique, une Triumph. Voilà, bon, et ben, on va quitter cette belle réunion. Ah non, j'ai pas vu la Z3. Ah voilà, j'avais raté la Z3, jolie couleur, beau gris, avec un intérieur bordeaux. Voilà, superbe. Et puis, on va terminer par cette type.
Allez, on va retrouver le show chez soi. Bon week-end à tous. Non, raté. Je reviens pour voir quand même cette Ferrari. Voilà, qu'on avait déjà vu. Jolie, une mondiale. Allez, ce coup-là, on y va. À bientôt, au week-end prochain.